Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera une morning routine pour vous présenter un petit peu ma nouvelle vie dans la nouvelle maison. On a déménagé tout récemment, il y a 2 semaines à peine, dans une nouvelle ville, un nouvel endroit, nouvelle école, du coup nouvelle routine et j'avais très envie de la partager avec vous. Le réveil sonne tous les jours à 7h30, ça c'est nouveau pour nous parce qu'avant on se réveillait naturellement avec les enfants, l'école commençait plus tard. Donc généralement je me prépare très vite fait, je me brosse les cheveux, je me brosse les dents, je m'habille et ensuite je file réveiller les enfants s'ils sont pas encore réveillés. S'ils le sont déjà, alors c'est un moment calme qu'on passe dans la chambre à se faire des câlins sur le lit, à profiter avant de descendre, prendre le petit déjeuner. En ce moment, je suis plutôt salée pour le petit déjeuner, ça varie vraiment, mais en ce moment, c'est vraiment les œufs, les épinards que j'aime bien relever avec du sriracha encore meilleur. J'arrive pas à en trouver ici à Ravea, du coup, je vais en commander sur internet parce que ça me manque trop. En même temps, on prépare le biberon de Léna, les tartines de miel pour Liam et on mange tous les quatre sur la table. On se fait aussi couler des cafés, mais je vous cache pas qu'on a rarement le temps de le boire chaud avant de partir à l'école. Souvent, on le boit froid en rentrant. C'est un peu compliqué le matin en ce moment, puisque forcément, nouvelle école, nouvelle ville, nouveaux copains. Il faut le temps de s'habituer. En plus de ça, l'accent a changé. Ceux qui parlent anglais cette fois-ci ont un vrai accent anglais. Je peux vous dire que ça change beaucoup. Souvent, ils rechignent pour aller un petit peu à l'école, mais quand on les récupère le soir, ils sont hyper contents. Donc, petit à petit, j'espère que ça va aller de mieux en mieux. En plus, le truc qui est trop bien ici, c'est que l'école finit plus tôt. Du coup, on a le temps d'aller à la plage après ou d'aller dans des parcs. On a vraiment le temps de profiter versus avant où c'était déjà quasi la fin de la journée. Ensuite, je rentre à la maison et c'est le moment où je vais prendre soin de moi, de ma peau que je vais me préparer. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec Nivea. Ils m'ont envoyé leurs 4 nouveaux nettoyants visage, donc ils sont sans savon, sans déchets plastiques puisque ce sont des nettoyants solides et c'est ce que j'adore moi. Donc le vert, c'est un gommage nettoyant réducteur de pores qui convient notamment aux peaux mixtes à grasse. Ensuite, le noir, c'est un gommage purifiant qui va servir à matifier et à lisser le grain de peau. Le violet, c'est un nettoyant apaisant qui va être parfait cette fois pour les peaux sensibles. Et moi, celui que j'utilise au quotidien, c'est le bleu qui est un nettoyant qui va venir nettoyer la peau en profondeur tout en l'hydratant aussi puisqu'il va vraiment laisser une sensation de peau douce et c'est ce que j'aime moi avec ce savon. Donc je l'applique directement avec de l'eau ou alors sur mon visage, parfois je le fais même sous la douche. J'adore la sensation, ça fait vraiment une peau super nettoyée après. Ils sont vegan aussi ces produits, ils sont certifiés Cosmos Natural par EcoCert et ils ont 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc si vous voulez vous tourner vers des produits très sains, n'hésitez pas à aller tester la gamme, vous pouvez la retrouver dans tous les supermarchés, elle est super abordable et très efficace. Personnellement, j'adore les utiliser le matin ou même le soir d'ailleurs, puisque je les utilise le soir sous ma douche après mon démaquillage. Une fois ma peau bien nettoyée des résidus de la nuit, je vais pouvoir passer à l'hydratation. Donc je l'hydrate tous les jours. Parfois même je mets de la protection solaire si je sais que je vais aller m'exposer, c'est super important. Et je passe au maquillage. Donc ça, je vous avoue que je le fais pas tous les jours, mais j'essaye généralement au moins de mettre un petit peu de correcteur. Si jamais j'en ai envie, je mets aussi du fond de teint. Celui-ci a un SPF 40, donc c'est super bien, la gamme Bobbi Brown. J'utilise toute la gamme Bobbi Brown en ce moment et j'adore leurs produits. Je trouve qu'ils sont super lumineux. Et je viens terminer avec mon parfum de chez Adopt. Celui-ci n'est plus dispo. Je suis vraiment dégoûtée pour vous parce que tous les jours, on me demande s'il est encore dispo sur internet ou en magasin. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour mes cheveux, c'est maintenant ultra rapide. Comme vous avez vu, j'ai retiré mes extensions. Donc je viens juste avec une brosse soufflante. Il me semble que celle-ci, elle vient de chez Babyliss. Je vous mets très bien si ça vous intéresse. Je viens coiffer ma mèche en arrière pour lui donner un petit peu de volume. Cette frange, je vous jure, la prochaine fois, je réfléchirai à 2 fois avant de la faire parce qu'il faut absolument la coiffer tous les jours, sinon ça ressemble à rien. Ensuite, une fois que mes cheveux sont faits, je passe au lit que j'aime toujours organiser, même si bon là, il n'y a pas de couette et tout, donc ça ressemble pas à grand chose, mais j'adore faire mon lit, ça me permet vraiment de commencer la journée du bon pied. D'ailleurs, vous avez peut-être l'impression que ça y est, ma maison est toute prête, qu'on n'est plus du tout en mode emménagement, mais ce n'est pas le cas. On a plein de cartons à ranger dans des pièces de la maison auxquelles on n'accède pas tous les jours. Heureusement. Le bureau d'ailleurs commence juste à ressembler à un bureau. Petit à petit, j'installe mes meubles, j'installe mes affaires et du coup, ça me permet de commencer à reprendre le travail tranquillement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine. Ciao !